Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les spectateurs des Mère 24 et nous dire un mot sur ce jour de Maroc Expo à Anvers? En fait, c'est bien simple. Quand il y a des événements, on fait souvent appel à mon, comment dirais-je, à mon succès de présenter des émissions ou présenter des événements. Et ça, je fais ça depuis que je suis petit. C'est une vocation que j'ai ça dans le sang. Et comment vous avez trouvé ce jour, le fait d'animer cette journée? Quel est votre sentiment? Ce spectacle de ce jour a été plus ou moins bien, mais je pense que l'organisation aurait pu être autre de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais bon, je suis très content d'avoir pu présenter un événement ici à Anvers. À part cet événement d'aujourd'hui, vous faites d'autres événements ici? Ça m'arrive de présenter d'autres événements, mais sur Bruxelles, parce qu'en fait, je suis de Bruxelles. Et oui, ça m'arrive de présenter des événements sur Bruxelles. Et je vous cache pas, mon rêve, c'est de présenter des événements au Maroc. Inch'Allah, peut-être il faut prendre contact avec ma voisine, hein, le grand festival de musique arabe. C'est pas évident de contacter les gens de ma voisine, mais j'espère... En faisant cette interview avec vous, pourquoi pas, ils peuvent me faire contact, me contacter pour que je puisse présenter des grands événements au Maroc. C'est mon rêve. En fait, voilà, ma page Facebook, c'est Jamal Chentouf. Et les gens peuvent me contacter sur ma page officielle. Et les gens verront bien tous les événements que j'ai déjà présentés. Et je voudrais revenir sur ce que tu me disais là tout de suite, présenter des événements comme ma voisine. En fait, je ne choisis pas les événements. Tout événement est le bienvenu en ma faveur. Mais voilà, je répète, ma page Facebook, c'est Jamal Chentouf et mon numéro de téléphone, c'est le 032 476 37 90 38. Merci. Merci à toi.